ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu zela oyo ekosaka te se zela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga c'est avec assurance na koyemba. Au suivant. Je suis désolée, colère. Au suivant. Elle est très à l'aise quand même. Bonjour, mais c'est le bruit qui. Ok. Je suis venue en retard. Oui, monsieur. Bonjour. Tu t'appelles comment? Pardon? Ton nom, c'est qui? Comment tu t'appelles? En français, papa. Pardon? L'examen, c'est pas en français. L'examen, c'est pas en français. C'est pas lingala. Mais moi, je ne sais pas. Je t'ai posé la question, comment tu t'appelles? Moi, Bongolo Lokuli. C'est ça la réponse. Bongolo Lokuli, c'est notre oncle qui m'a nommé le nom de Bongolo. Et votre papa vous a donné quel nom? Bongosi. Ok. Donc Bongolo Lokuli, Bongosi, c'est ça? Pardon? Bongolo. Nalobi Bongosi. En français, papa. Mais c'est Bongosi, Bongolo Lokuli. Tu peux nous conjuguer le verbe être au temps présent? Verbe être au temps présent. Oui. J'étais présent ici. Tu étais absent là-bas. Nous sommes ensemble ici. C'est ça le verbe être au temps présent. Oh. Réfléchis bien. On dit quoi? Verbe être au temps présent. Quand on dit que le verbe être, donc est causal. Kozano Alingala. C'est toi qui le dis. Nazaliawa. En français, papa. En français. Non, quand même, maman. Hein? À l'école, vous avez. L'examen se passe. Et puis l'examen se passe en français. Ça va. Je me débrouille. Débrouille-toi. J'étais ici. J'ai. Ici, tu es là-bas. Tu étais là-bas. C'est le présent. Au temps présent. Présent. Verbe être. Ah, maman. Merci. Les jours-là, je n'étais pas là-bas, madame. Vous tous, vous les jours-là, c'est le pluie qui a nos cas. Le pluie qui a nos cas. Mais le pluie qui a nos cas, en tout cas. Mais c'est quoi, papa? Pose-lui la deuxième question. Monsieur Bourgos. Pourquoi l'Égypte est appelée les dents du Nil? Pardon? Pourquoi l'Égypte est appelée les dents du Nil? C'est Moïse. Moïse? Qui fait ouvrir les. C'était Moïse. C'est lui-là qui était le leader. Qui a fait que tout le monde quitte l'Égypte. Est-ce que tu as compris la question? Oh, et pourquoi on appelle l'Égypte, et les dents du Nil? Nil. Les dents, tout le monde savait que les dents, c'est les dents de Dieu. Pourquoi que tu me dis que Moïse est les dents du Nil? Donc, il y a l'autre. On parle de l'Égypte. L'Égypte. Quand tu dis toi qui nous parle de Moïse. Les jours là. Donc, toi, c'est ça. Les jours là, Moula, non. Je parle, moi. Pourquoi tu me déranges? Les jours là aussi, Moula, non. Les jours là aussi, Moula, c'était l'empêchement d'embouteillage. Mais les jours là, papa et maman étaient en train de discuter. Je n'ai pas saisi ça. Mais j'avais entendu ça. Parce qu'il y avait une dispute chez vous. Oui. Mais là, quand tu me dis. Tu avais entendu quoi?
ce qu'il vient de dire. Légitime coordonnée. Mais réponds, parce que tu n'as pas entendu ça à la maison. À l'embrouillement, je n'ai pas saisi ça les jours-là. Tu nous embrouilles. Hein? Oh, maman, si j'ai dit la vérité, pourquoi tu me dis que j'ai vous fâche. Embrouillé oh. Monsieur Bongos, par la maîtrise de la Bible, apparemment, tu venais de citer le nom de Moïse. Moi, je ne suis pas chrétien. Est-ce que je peux te poser une question? Tu permets? Si tu veux. Vas-y. Tu connais Élie dans la Bible? Élie, c'est notre frère. Quel frère? L'enfant de notre... ma mère. Je parle de la Bible. Mais la Bible, ça signifie un homme dans la Bible, non? Élie, c'est un nom d'une personne. Et Abraham? Abraham aussi, c'est une personne, non? Oui. Ça, c'est mes frères. Jean-Baptiste. Pourquoi tu discutes? Jean-Baptiste. Je t'informe que ça, c'est mes frères. Tu n'as pas la maîtrise de la Bible, ça se voit. Jean-Baptiste aussi, c'est ton frère. Ça, c'est mes frères. Bakanza, Anouarite, ça, c'est mes frères. Je vous dis la vérité. Mais Bakanza n'est pas écrit dans la Bible. On n'a pas cité Bakanza dans la Bible, papa. Tu sais, tu es le frère de Bakanza. Les frères par alliance. Par alliance. Les sœurs aussi par alliance. On t'a posé la question, qui est Élie dans la Bible? Élie a fait quoi dans la Bible? Oui, on sait bien qu'il est un homme. Mais il a fait quoi dans la Bible? Quelle était sa mission par dans la Bible? Oui. Ah, Élie? Oui. C'est un homme bien, il partage, il dit l'amour. C'est Élie. Élie, c'est quelqu'un qui gagne. Il a gagné tout. L'argent, Élie. L'amour, Élie. C'est lui qui est Élie. Tu nous embrouilles pour c'est lui. C'est qui est Élie? Qu'entendez-vous par le mot troc? Troc. Bah, drogueur. Pardon? Drogueur. Je parle de troc. Troc, ça vient de. Un troc, c'est lui qui prend les. Ça, c'est la drogue. Bon, on t'a posé la question, qu'est-ce que signifie les trocs? Troc. Est-ce que tu peux nous écrire troc? Écris troc. Lit drogue. Quoi? Drogue. Bien. Troc. 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 Mais ça dit. Mais là, qu'est-ce que ça signifie ce que tu viens d'écrire là? C'est lui qui est quitte quitte. C'est lui qui est quitte quitte. C'est lui. Quitte quitte qui prend les choses qui règnent dans ce moment, les bombées. Là, tu me parles de la drogue. Ah, maintenant, là, ça, c'est pas l'équipe française, c'est le G. Mais tu as mal écrit ça. Il a écrit troc, mais lui, il lit drogue. Drogue. C'est pas drogue, c'est non. Troc, c'est ce que tu veux dire. C'est ce que tu as écrit, c'est troc. 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 Nous parlons de troc. Pourquoi tu me poses la question que je n'étais pas là? Qui a eu à faire le tour du monde? Les musiciens. Comme qui? Ferré, Gola, Weranson. C'est ce que tu as appris à l'école. Pauvre papa Wemba. Pauvre. C'est ce que tu as appris à l'école. Oui. Ah, mais c'est lui qui a laissé tomber beaucoup comme ça. Qui? De l'autre côté là. De quel côté? De l'autre Afrique là. C'est lui là. Ah! C'est bon, lui là. Bon, bah, hein? Bon, ah! Tu étais avec lui. C'est lui qui a fait le tour. Le tour du monde. Il tape les concerts. Il bouge le monde. Quand il passe, tout le monde. C'est ça, ça l'histoire qu'on t'a appris que ce sont des musiciens qui font le tour du monde. Oui, oui. Ou toi. C'est pas dans l'histoire. Dans notre pays, qui voyage beaucoup? Réponds-nous. Toi, tu nous poses la question. Mais parce on ne demande pas dans notre pays qui voyage beaucoup, on demande qui a fait le tour du monde. Les musiciens ensemble. À
En Europe, c'est le musicien qui fait le tour du monde. Merci. Les touristes. Ah, papa, tu as échoué. J'ajoute aussi. Les touristes. Qui fait le tour. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Berceau de l'humanité. C'est le Wewa. Pourquoi? Ils sont beaucoup ici, dans cette rond-point. Quand tu arrives à rond-point, les Wewa. Tu arrives à rond-point Kitambo, c'est le Wewa. Si tu arrives à rond-point Victoire, c'est le Wewa. Et c'est ça le berceau de l'humanité. Oui, c'est lui qui sont beaucoup ici. Et maintenant, l'Afrique est le berceau de l'humanité parce qu'il y a trop de Wewa. Oui, oui. Qui embrouille les gens. Quand il attrape les gens, Tarambanga, Taramanette, c'est lui-là le berceau de l'humanité. Ce sont des injures, ce n'est pas le berceau de l'humanité. Comment est-ce que tu... Berceau de l'humanité, c'est lui... quand on parle de berceau de l'humanité, les gens qui sont beaucoup, non? Qui ont beaucoup. À quoi est-ce que tu fais allusion? Ah, tu vois... Donc beaucoup là... L'humanité, oui. Les majorités. Ah, le berceau de l'humanité. Oui, oui. Donc tu fais allusion... La majorité. Tu fais allusion à la majorité, à des gens qui sont beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, ça, les Wewa... À part ça... à Pakadzuma, il y a beaucoup qui habitent dehors des gens, qui font n'importe quoi. Ces actes connus à tout le monde qui est à Pakadzuma. C'est les personnes de l'humanité. À part Pakadzuma. À part Pakadzuma, à fleuve, au fleuve, il y a beaucoup de poissons, Monganza, Mpondé, Mekenge, il y a beaucoup. C'est là aussi les berceaux de l'humanité. C'est ça. Donc les fleuves, c'est les berceaux de l'humanité. C'est ça. Parce qu'ils contiennent beaucoup de poissons. C'est ça. Et puis... Et puis rien, tu dis des bêtises. Et puis quoi? Qu'est-ce que j'ai bêtisé? Est-ce que moi j'ai parlé des bêtises ici? Il y a beaucoup de... C'est quoi une bêtise? Merci beaucoup. Ah, c'est quoi une bêtise vraiment? Tu me pousses de dire les bêtises ici. Hein? Ah, allez, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne connais pas les réponses, mais. Ah, non, non. Tu peux la bouche. Une chanson chrétienne. Moi, je ne suis pas chrétien. Moi, je suis musicien. Une chanson religieuse. Religieuse? Moi, je ne suis pas religieuse. Mais tu es qui? Un artiste, musicien, comédien, pêcheur et puis peintre. J'ai fait tout. Bon, c'est bon. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson de l'école qu'on vous a montré dès que vous sortez des classes, à la sortie de l'école, vous chantez des chansons d'enfants. On vous a appris ça. Belle vie, télévision, école, comédien. Belle vie, télévision, école, comédien. Debu, inyo umaro teme. Debu, bino nyo sobo teme. C'était ça. C'est ça la chanson. C'est de la sorcellerie purement en costume. Est-ce que tu connais notre hymne national? Bien ça. Hymne ça. Hymne national. Ça s'appelle comment? Tu peux me rappeler? J'ai beaucoup de choses dans ma tête. J'oubliais beaucoup et puis j'ai saisi aussi des choses. Ok. Notre hymne national s'appelle Debout Congolais. Ah. Est-ce que tu peux nous chanter ça? En passant. Oh, vas-y. Debout Congolais, ils n'ont pas les sons. Les enfants portaient les caressons. Dans les coins, il y a des clowns. Il va vous trapper. Ça, c'est une massacre, notre hymne national. Ah. Il n'y a pas les sons. Tu continues, papa. Il y a des gens qui s'en ressemblent. Non, papa. Il parle à haute voix. C'est quelqu'un qui dit que quels sont. Ah.
Papa, c'est ça notre hymne national. Papa. Ah. Ça, c'est les dégoûts congolais. Toi, tu dis que tu saisis les histoires, tu saisis bien. Est-ce que vraiment, c'est notre hymne national? C'est ça. Même au stade de martyr. Mais si, il y a beaucoup de gens. Wow! Ça, c'est hymne national. Oh, mais c'est ça. Ah, tout le monde écoute, ça c'est une. Ah, c'est fini avec. N'est-ce pas? Quand c'est fini, Congo, c'est mon Congo. C'est une personne qui chante. Mais c'est tout le monde qui chante. Ah, oui, comme on va au stade. Mm. Si tout le monde dit wow, c'est pas une nationale. Pourquoi vous me compliquez? D'après toi, oh, oh, c'est une nationale. Wow. Congo. Wow! Dans le Congo, pas où il est. Dans des dents. Tu veux partir? Tu où? Merci, monsieur. À la maison? Tu as zéro. Le cours est fini? Non, l'examen est fini, tu as zéro. Tu es trop nul. Ah! C'est bon. C'est bon, tu peux partir. C'est bon, c'est fini. Les résultats seront affichés. Il fait partir, la sorcellerie, c'est une volontaire. C'est bon, moi, c'est bon. Non, mais c'est pas vous, tu as dit. Et notre hymne nationale, c'est wow. Non, mais cool. Mais les personnes de l'humanité, c'est le péché. Et mon ganja. Au suivant. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est comment, Lina? Des gros sacs, c'est l'examen. C'est comment les noms? Non, non, laisse ton sac. C'est comment les noms? Comment tu t'appelles? Ah, comment tu t'appelles? Makaya Mayuma. Makaya Mayuma. Ma, mais, réponds. Ka, a. Yé a. Yé. Yé. Oui. Pardon? Montre-moi yé. Et le marqueur. Écris-nous yé. Yé. Donc, c'est ça. En français. Touche, en français. Écris avec ça. Il n'y a pas de touche ici. Écris avec ça. Écris. Écris-nous Makaya. Écris Makaya. Ah, c'est Yobi, yé. Je veux juste voir yé. Makaya, ton nom. Écris-nous ton nom, tu as dit. Ton nom. Mais. Makaya. Oui. Ton nom. Non, votre nom. Makaya. N'écris pas ton nom, écris Makaya. Makaya. Oui, toi, tu. Vas-y, écris ton nom. Écris toi, tu la bouche, moi. Écris ton nom. Écris ton nom. Ton nom. Makaya. 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 Écris Makaya. Écris Makaya. Nous voulons voir les yé, là. Les yé. Makaya. Ta mère, tu avais dit mais. Mais, yé. Mais. Donc, pour parler de la vie. Ils ont commencé vos lignes. Papa, en français. En français. L'examen se passe en français. En français? Oui, en français. Comme ça. Va vite, non, mais si tu ne fais traîner, on est déjà fatigué. Parle de maman. Excuse ok, moi. Ça c'est. Ok. 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 Makaya. Makaya. Yé, yé. Alors ça. Yé. Non, tu avais dit. C'est où yé? C'est Makaya. Alors ça. Toi, tu as dit Makaya. Tu as écrit quoi? Tu as écrit Makaya. Makaya. Non, non, tu as écrit Makapu. Où est le yé? Où est le yé? Le yé. Toi, tu nous as dit yé. Yé, c'est quoi? Yé.
Erreur de la louche. Ton nom c'est Macabre? Non, c'est Makaya. Mais écris-nous Makaya. Makaya. Mais c'est ça, non? Mais c'est pas Makaya, tu as écrit Makaku, monsieur. Hein? Oh, c'est vrai ça? Oui. Arrange ça. Oh. Mets-nous les yeux à la fin. Arrange ça. Prends les fauteuils. Hmm? Prends les fauteuils. Les fauteuils. Les fauteuils. Les chiffons. Prends les chiffons. Ah, chiffon. Ok. Voilà. Devant toi. En français. Où est les chiffons? Devant toi. Derrière toi. Il y en a pas? Non, regarde. Regarde le truc en vert. Il y en a pas? Ah, c'est la technologie. Vas-y, efface. Tu l'as beau chiffon? Ne regarde pas. Pas écrit. Effacez, monsieur. N'efface pas tout. Mon Dieu. Papa, même ton nom, tu ne sais pas écrire ça. Bon, on doit procéder avec des questions. Monsieur Makaya. Monsieur Makaya. Non. Son nom, c'est Monsieur Makaya. Pourquoi l'Égypte est appelée les dents du Nil? L'Égypte? Oui. À côté de Jésus qui fait quoi? Donne comme ça. Arrange-toi convenablement. Ok. Donc, non, pas comme ça. Malé invité au. En français. En français. Doucement. Ok, ok, vas-y. Faut bien pourquoi dit-on-nous que l'Égypte est les dents du Nil? Comme ça, hein? Pourquoi dit-on-nous que l'Égypte est les dents du Nil? L'Égypte. Hein? Les dents des. Les dents du Nil. Sérieux ici, hein? Égypte, le doigt de Nil. Les mêmes questions, c'est le Nil. Le Nil. Le quoi? Le Nil. Le Nil. Vas-y. C'est quoi ta réponse? Le Nil. Prononce bien. Le Nil. Ça signifie quoi? Égypte, le. Le quoi? Tu la bouche comment? Les dents du Nil. Les dents, les dents. Les... Les deux lignes. Oui. C'est quoi? C'est quoi? C'est l'une. Ce n'est pas ça, c'est pas ça la réponse. Ce n'est pas ça comment? C'est pas ça la réponse. On a dit pourquoi dit-on-nous l'Égypte, le pays, l'Égypte comme pays et les dents du Nil. Nil comme fleuve, fleuve Nil. L'Égypte, les lignes, les lignes. Hein? L'Égypte, c'est les lignes. Monsieur Makaya. Wow. Qui a découvert l'embouchure du fleuve? Le fleuve Zaïre. Le fleuve Congo, actuellement. Le fleuve Congo. Le fleuve Congo. Une question facile. Une question facile? Oui. Ah! Aïe. Oui! Le monde a commencé. Le monde? Kabila a échevé. Petit fils de Kabila, Kabange. A commencé avec 4 vice-présidents. Après, le. Qui a découvert la machine du fleuve Congo? Fachi. 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 A commencé maintenant. C'est pas le pouvoir. On a dit qui a découvert l'embouchure du fleuve. Mais c'est Lumumba, non? Est-ce que tu comprends la question? Oui. Qui a découvert l'embouchure du fleuve? C'est Lumumba. Lumumba a commencé. D'ailleurs, Lumumba n'était pas le présent dans ce pays. Parce que tu as cité le papa, le Moïse Kabila, tu as cité le Joseph Kabila, tu as cité. Avec les 4 vice-présidents. Oui, après tu as cité Fati, Félix. Mais c'est sans le nom de président. Lumumba n'a jamais, été le président de ce pays. C'était Kassavou qui était le président. Mais on ne demande pas ça. L'embouchure du fleuve Congo. Mengou. Mengou. C'est Mengou. A cité là-bas à l'autre côté, à Mwanda, avec les. Nathalie. C'est Mengou. Qui est Mengou? C'est faux, c'est Diego Kao. Oh, Mengou. Justement, c'est Diego Kao. Bon, qui était à la recherche de Diego Kao? La recherche de Diego Kao.
Et monsieur, l'autre jour là, tu n'étais pas là. Tu étais absent. Ça, c'est bon. Qui a fait le tour du monde? Tour du monde? Oui, la somme. Ah bon? Très calme, très calme. Gaza, Congo, France, États-Unis. C'est où la somme? Ok. Et pour toi, c'est où la somme? J'ai fait le tour du monde. Avez-vous entendu parler de manger là? Mangela. Je ne connais pas les Mangela. Un frère bien garçon. Intéressant. Merci. Pour toi, c'est lui qui a fait le tour du monde sur vos enfants. Oui. Il faut donc venir te répondre. C'est Mangela. Hein? Mangela, c'est qui? C'est lui qui a fait le tour du monde. Tu sais où est l'ensemble? Monsieur Makaya, c'est ton nom. Tu t'appelles Makaya? Tu t'appelles Makaya? Ton nom, c'est Makaya, non? Ah, Makaya. Ok. Tu peux nous parler du peuple nomade. C'est quoi le peuple nomade? Comme toi. Moi, je suis peuple nomade. Eh, monsieur. Ça signifie quoi, peuple nomade? Mouzamoutou. Tu es homme, femme, nomme. Nomade. Donc toi, tu es normal, lui aussi normal. Donc nous, on se déplace. Avec maman, elle aussi normal. Ça signifie quoi, normal? Normal, c'est quoi? C'est un homme. C'est un peuple qui se déplace à tout moment. On continue. On continue. Papa, quel est le nom de notre hymne national? Le nom? Comment s'appelle notre hymne national? Hymne national? Non, notre hymne national a un nom, papa. Makaya. Hein? Début congolais. C'est ça, début congolais. C'est ça. Zaïrois de la paix. Non. Après, troisième fois, c'est début congolais. Ok, c'est début congolais. Est-ce que tu peux nous chanter ça? J'ai commencé à la Zaïre. Non, on commence justement avec le début congolais. Ma match, tout ça, tout à l'heure, on est dans la match. En français. Je vis en français. Je vis à la stade du Camagno. Comme ça. Debout Congolais. Et l'indépendance, ne fera pas. Notre tribu est pour l'indépendance. Tricodia Moutoumbiri Mazonoki. Papa, coupé. Pouba. Ça, quel nom? J'ai mélangé avec. Pourquoi mélanger? Bien, justice, c'est le travail. Et tu transpires aussi. Il transpire. Hein? Tu transpires, c'est comme si tu faisais un bon travail là. C'est normal. C'est normal, hein? C'est normal. Pour les dépendances, et ton enfant, vous dérangez avec une nationale, pourquoi? Pour rembourser moi quoi? Non, tu rembourses quoi? Oui. Tu te rembourses quoi? La ville de Kinshasa a combien de communes? La ville? J'en ai marre avec ces gens-ci. Toi, tu habites quelle commune? La ville province de Kinshasa a combien de communes? Province. La ville province de Kinshasa. Non, j'ai dit Kinshasa, on demande des communes. La ville province de Kinshasa, combien de communes? Pas combien de communes? Ah, zone. Ah, ok. Sembao, Bombo, Ongaliema, Kimwenza. Kimwenza? Parle aussi. Kimwenza, c'est une commune. S'il vous plaît.
46, hein? 46. 46. Vas-y, oui. Cite 46 alors. Hmm? 46, hein? Oui. Vas-y, tu vas citer 46. Cite les 46 communes. Mm-hmm. Ah, c'est beaucoup. Eh. Merci. C'est beaucoup. Chérimbao. Mm-hmm. C'est pour toi. Serimbao. Bungu. Tokimoshi. Ngiringiri. Kalamu. Bosenge. Kimbangu. Kimbangu 2. Kimbangu 3. Kimbangu 4. Matonge. 10. Matete. Bawumbu 1. Baumbu. Côté dingue, côté. Baumbu, hein? Aïe, Seigneur Dieu. Qui senso? Qui senso? Njili. Quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4, quartier 5, quartier 6. 20, tout ça, tu cherches, tu es en train de chercher, de trouver des moyens pour en arriver à 45. Quartier 1, quartier 2, quartier 3. Une souris, tout ça. Ouais, ouais. Ouais. C'est voilà. Pas ouais, on rigole, alors que tu as échoué. Moi, j'ai échoué. Mais oui. Les quartiers sont des commis. Tu es sûr, à ton âge. La vie pour faire des kits, ça fait quoi? Tu penses quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Papa, je pense que c'est fini. C'est fini avec toi. N'importe quoi. Allez, bien, retire ça. C'est même pas écrit ton nom. Oh. C'est bon. C'est bon, merci. C'est bon. C'est fini. Oui, c'est fini avec toi. Quartier 1, quartier 2, quartier 3. Avec assurance, c'est comme si tu faisais. Doucement, monsieur. Merci. Non, 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 pas ça. Ici, on sort calmement. Oh. Je vais te rembourser. Mais c'est papa, papa. Vieux papa que j'ai mis. Ne touche pas. Même avec Nico. Regarde comment est-ce qu'il se comporte. Avant que. Papa là, un vieux là. Au suivant. Il est aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je viens cher. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles comment? Hey. Maman, on te pose la question, tu souris, tu viens ici pour sourire. Oui. Dis-nous comment tu t'appelles, on regarde ton dossier et c'est fini. Et... Ton nom, on a besoin de ton nom. Ton nom, comment on t'appelle là-bas? Ah. Moi, je suis Adam. Et toi, comment tu t'appelles? Maloso. Ah, c'est ça, non? Ah, ça va, vous voyez, Malosombo. Malosombo. Ouais. Ok. Ouais, ok. Mets-toi convenablement. Ici. Pas une très bonne position là. Ok. Il est en fille. Maman, on va le son. Pourquoi dit-on que l'Afrique se berceau de l'humanité? Ça, c'est mon problème. Mmh. Ça, c'est mon problème. Mais on s'est appris à l'école que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais pourquoi répondons-nous maintenant que l'Afrique est le berceau de l'humanité? On a dit ça. Hein? Mais est-ce que c'est mon problème, moi? C'est l'examen. Disons nos réponses, c'est ton examen. Moi, tu cries avec qui? Maman. Vous criez, c'est moi. Maman. Tu es malade? Maman. Vous voyez ce monsieur-là? C'est toi, maman. Calme-toi, madame. Maman, Moi, je viens ici pour écrire. Maman Baloso. Oui, dada. Sois douce. Douce. Et réponds calmement. Ok. Pas d'intimidation. Ok. Ah oui. Réponds-nous alors. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Oui. Est-ce que l'Afrique a beaucoup de berceaux ici? L'Afrique a beaucoup de personnes. L'Afrique, dites-moi, l'Afrique a besoin de personnes. L'Afrique a besoin de richesses. C'est ça. Mm-hmm. Ah, on n'a pas besoin de personnes. Pas de personnes. Et si c'est moi qui ai les richesses de l'Afrique que tu connais? Diana. Mm-hmm. C'est pas ça. Mm-hmm. Vas-y.
Vas-y, réponds. Tiens, je vais moi-même, vas-y, ne parle. Continue. Continue. Ah, ah. Diamant. Diamant. Oui. Maman. Quoi? C'est chaud. Quoi? C'est chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Diamant. Et ça, diamant essence. Essence. Diamant. Était. Bronze. Bronze. Forêt équatoriale. Arbre bleu. Fleuve coco. Qu'est-ce que tu attends par un pila. Trop. Et quoi? Un pila. Un pila, c'est bon. C'est bon. Tu l'as dit, chaise. Un pila. C'est en quel nom, pila? Pila, place à vie. Pila. C'est une commune. Pila. Une commune? Oui, une commune, pila, c'est pas. Vas-y. On vous avait posé une question. Troc, c'est quoi? Troc, c'est ah, donner. Pardon? Troc, donne. Donner quoi? C'est que vous voulez. C'est ça, troc. C'est ça, troc? Oui. Écris-nous d'abord troc. Écris sur le tableau troc. D'accord. Déconseillé de venir. Mais tu es venu quand même. Vas-y, écris troc. Regarde là où tu écris. Mais c'est quoi ça? Troc. Explique-nous. Troc. X. Mais vas-y, lis. Troc, c'est ça. Et ça veut dire. Vous avez dit, c'est ça. Troc. C'est comme ça qu'on écrit. Troc. Oui. Toi, tu ne sais pas. Regardez-moi ça, en tout cas. Mais c'est troc. Bon, si vous aimez pas ça, attends. Non, si on n'aime pas, lorsque je dis quelque chose, ça dépend. Regarde, on prend des gens qui ont... C'est quoi ça? Bon, ça. C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est pas toi. C'est toi. Toi. C'est toi. C'est pas toi. Moi? Oui. Toi, tu es malade. Tu t'es dessiné. Ça, c'est moi? Oui. Attends. Passons aux questions. Passons aux questions. Passons aux questions. Toi-même. Oh, tu vois. Tu vas échouer. Tu vois. Calme-toi. Calme-toi. Toi, tu joues avec moi. J'ai dit, toi, tu joues avec moi. Calme-toi. Réponds aux questions. Je suis ici pour ton examen. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Qu'est-ce qu'on dit? Concentre-toi. Pour que tu réussisses. Oui. Pourquoi l'Égypte est appelée les dents du Nil? Parce qu'il a beaucoup de fleuves. Hein? Parce qu'il a beaucoup. L'Égypte, non? Oui. Ah, mais oui. Parce qu'il a beaucoup de fleuves. Fleuve Kilimanjaro, fleuve Tanganyika. Ça, c'est beaucoup. En Égypte. En Égypte. Fleuve. En Égypte. Oui. Fleuve Kilimanjaro.
Kilimanjaro, c'est un... Kilimanjaro, c'est pas une montagne. Nyamura Kira. Je parle de fleuve. Fleuve. On ne dit pas de montagne, on dit de fleuve. Fleuve, oui. D'ailleurs, on ne t'a pas dit de citer le fleuve. On t'a dit pourquoi dit-on nous que l'Égypte est le don du Nil. C'est ça la question. Parce qu'il a, il a beaucoup de dons de Dieu. Comme? Comme? Allez, vas-y. C'est toi de répondre. Mais vas-y. Parce que moi je suis peintre, il a pas dit. Toi tu es peintre, hein? Maman. Fleuve de Nil. Laisse-moi pas comme ça. Écris seulement, ça va écrire. Une question. Il faut la poser une question. C'est là. C'est très dangereux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Égypte. Maman Balusongo. Hein? L'alphabet français a combien de consonnes? Vas-y, consonnes. Tu es sûr? Moi, je connais. Et il a combien de lettres? Américain. Je ne t'ai pas demandé l'alphabet a combien de lettres. Je t'ai demandé des consonnes. Bon, l'alphabet a combien de lettres? Pas de blague, moi, blague pas. On n'a pas de... L'alphabet français a combien de lettres? L'alphabet français a combien de lettres? Réponds d'abord, qu'est-ce que c'est? L'alphabet français a combien de lettres? Sors, si tu veux te débattre. Assois toi-même. Vas-y, lettres. Combien de consonnes? 12 consonnes. Combien de voyelles? N'ayez plus de tête. Tu ne connais pas? Tu ne connais pas que moi? Que moi je suis un peintre. Réponds d'abord à la question pour 26 voyelles. 26 voyelles. Cité. Tu le contrôles même. Ah, si tu as un. B. B voyelle. B c'est un voyelle. C'est une voyelle quand on a le patron. Ah ouais. Conjuguez-nous le verbe être au temps présent. Verbe être au temps présent. J'ai vu. Pardon? Zébi. Conjuguer les verbes être au temps présent. Verbe être. Verbe être. Verbe être. E. B. O. C. On sait vraiment les chiffres qu'il y a dans la finition. Tu acceptes. Oui. Mais tu es seulement forte pour frapper les gens qui présentent. Mais pour lire ou répondre. Laisse. V. Nous sommes. Avez. Vous voulez. Avez. Récupère ça, on te donne la dernière chance, madame. Je vais laisser les Français à cause de toi. Tu vas voir, Toi, n'est pas comme ça. Calme-toi. Chante-nous notre hymne national. Calme-toi. Zaïroa d'Arabe. Retourne. Pas la Zaïroa. Debout comme là, tu es. Voilà. Chante-nous ça. Debout comme l'aim, ni vie par les bons, ni vie par les bons, pour les népanam, nous sommes terrain, à Kobasi, ou pétéré. J'ai beaucoup travaillé. Ah, si tu as mal charlé, je te dis merci. Tu peux partir.
Mais je sais pas, papa, si tu lui donnes une dernière chance de me chanter une chanson. Tu connais, non, pas une chanson, pas une chanson. Est-ce que tu connais dans la religion, tu connais la Bible quand même. Oui. Voilà. C'est qui Joseph? C'est un petit pays. C'est qui Joseph? La Bible, c'est quoi? C'est un petit pays. La Bible, c'est un petit pays. Oui, il y a plus de Kilimanjaro. Je parle de la Bible, la Bible. Oui, je parle de Dieu. Je connais la Bible. Oui. Joseph, c'est qui dans la Bible? C'est Joseph. Hein? C'est Joseph, tout simplement. Joseph. Est-ce que c'est grave là? Hein? De la Bible, Joseph. Joseph. Il fait quoi la Bible? Joseph, c'était un mendiant. Joseph était mendiant dans la Bible. C'est pas lui que j'ai dit. Joseph. Joseph Kassavo. Et Moïse. Katoumi. Et Samson. Ilk. Hein? Mais il était fort, Ilk. Samson, c'est Ilk. Tout simplement, c'est pas ça. Moïse. Mais c'est pas ça. Et Moïse. Katoumi. On revient encore. Le président de Macédoine. Tout simplement. Hein? Avec ses joueurs, ma poutou, le petit trésor de la Kidia. On a écrit ça dans la Bible. Mais oui. Tu ne connais pas la religion. Je connais. Tu es un athée. Je connais la religion. Non. Moïse Katoum. André Kimbunde. C'est pas ça. C'est pas ça. Et Philippe. Hein? Philippe. Philippe, moi, tu la mangas. Ah, voilà. Voilà la tête. La tête. C'est ce que tu crois. Ah, en tout cas, vraiment, mon Dieu. Voilà la tête qui fait les choses. Bon, vous, toi, et toi, qui a vendu, et toi, bourreau, qui a vendu, et toi, Kouyama. Okay. Vous venez. Madame, c'est bon. Vous terminez, qui a vendu Joseph? Dans la Bible, qui a vendu Joseph? C'est petit prêtre. C'est Massoum, le vrai. Hein? C'est lui qui a vendu Joseph. Massoum. C'est le papa. Vous, vraiment, vous ne comprenez rien. C'est Massoum, comme péché. Oui. Ah. Massoum de Brené, c'était péché. Non, il parle de Massoum de Brené. Non, il parle de Massoum de péché. De péché. Okay. Avant de Jésus. Mais Brené. Oh. Faut pas prendre avec Massoum de Brené. Il vous amène au bureau. Hein? Oh. C'est bon, merci beaucoup. Qui a fait le tour du monde? La personne qui a fait le tour du monde s'appelait Magella. Qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? L'embouchure du fleuve Congo a été découvert par Diego Gao. Le troc, c'est juste le change. C'est ça la réponse. Qui était à la recherche de Diego Gao? Son nom est simple, c'est Stanley. On a parlé du verbe être au temps présent. Je suis. Tu y es. Il est, elle est, nous sommes. Ainsi de suite. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Tout simplement parce qu'on a trouvé le ossement le plus ancien en Afrique, précisément à Tanzanie. Pourquoi dit-on que l'Égypte est le don du Nil? Tout simplement parce que l'Égypte dépend du fleuve Nil. Sans le fleuve Nil, l'Égypte sera un désert. Nous avons combien d'opérations dans les mathématiques? Nous en avons 4. L'addition, la multiplication, la soustraction et la division. Il y a combien de types de contrats? Nous en avons 2. Des types. Contrat écrit, contrat verbal. La République démocratique du Congo a combien de provinces? Actuellement, la République démocratique du Congo a 26 provinces. Mais dans le passé, la République démocratique du Congo avait 11 provinces. Conjuguer le verbe pendre au temps présent. Ce qu'il faudrait savoir, premièrement, le verbe pendre fait partie du verbe impersonnel. Ça s'emploie à la troisième personne du singulier. Il pend. Par exemple,
Le verbe pleuvoir. Il pleut. Falloir, il faut. Comment appelle-t-on notre hymne national de la République démocratique du Congo? C'est le Debout congolais. Debout congolais, unis dans le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons les plus belles élan dans la paix au peuple ardent. Parlez la belle, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Sacré soit les témoins, jour sacré des l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours.